perdre quelques secondes. Donc on s'agite dans le dixième couloir. Voilà, c'est parti pour cette huitième et dernière course avec Railway Best pour l'instant qui se montre plus rapide mais débordé à l'extérieur par Cat Sugars qui va tenter de prendre le train à son compte. Cat Sugars devant Railway Best qui insiste quelque peu mais laisse partir quand même Cat Sugars. Hopes and Desires est troisième et côté corde accompagné par Dupont Circle. Timber Tiger pour l'instant en épaisseur. Ensuite, on retrouve Bainesville, Kite Surfer, Dock on Time, juste derrière Pale Ale et Infinite Destiny, tout juste devant lui, alors que les chevaux sont au bas de la descente, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Cat Sugars a toujours l'avantage devant Railway Best, Hopes and Desires est toujours troisième accompagné par Dupont Circle, Timber Tiger toujours à l'extérieur donc de Infinite Destiny qui se rapproche maintenant. À l'extérieur de Kite Surfer, on a déboîté avec Pelil qui commence quelque peu sa descente. Les chevaux sont à 300 mètres du poteau et vont aborder la courbe, rentrer en ligne droite finale avec Railway Best qui revient à la hauteur de Cat Sugars qui est encore, encore en tête, lancé maintenant par Cédric Segeon et qui semble repartir, mais Railway Best tente de revenir. Cat Sugars, Railway Best, Cat Sugars a toujours l'avantage. Cat Sugars va aller s'imposer devant Bainesville. Devant Infinite Destiny, Railway Best.